Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va introduire le transistor comme un amplificateur et aussi comme un interrupteur, donc les deux modes les plus fréquemment utilisés pour euh, contrôler un transistor, et on va regarder les caractéristiques de base qui nous permettent de caractériser les performances d'un transistor. En électronique, lorsqu'on veut concevoir des circuits ou même qu'on veut réaliser certains circuits qui sont déjà existants, mais on veut les concevoir pour nous-mêmes, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de transistors et bien souvent, ces transistors-là servent à différentes fonctions. Donc, tout au long de la série, on va essayer de démystifier euh, les fonctions des transistors à partir de leurs caractéristiques et de, de connaître et de comprendre pourquoi le transistor est-il utilisé dans cette application-là et comment obtenir ses caractéristiques de base. Donc, bien entendu, il y a deux types euh, de d'utilisation pour le transistor, soit on va utiliser le transistor comme un interrupteur, soit vraiment on et off et on peut retrouver souvent ce montage là par exemple avec des Arduino ou tout autre montage avec microcontrôleur qu'on veut simplement contrôler une sortie pour amplifier la puissance de cette sortie-là et aller contrôler par exemple des lumières ou même des moteurs avec simplement la commande on et off. Dans un second volet, on va plutôt voir les transistors qui amplifie des signaux. Et en fait, c'est tout à fait le même transistor qu'on va retrouver dans les deux applications, soit l'application de commutation on et off, ou le transistor d'amplification. Donc, pour bien comprendre comment on va utiliser le transistor dans une application ou dans l'autre, donc ça va être très très important de connaître les caractéristiques de ce transistor-là et de comment on va euh, le placer dans le circuit avec les composants autour pour qu'il agisse selon ce qu'on souhaite. L'analogie la plus répandue pour bien comprendre le fonctionnement d'un transistor, c'est l'analogie hydraulique. Donc, on va représenter, par exemple, le canal du transistor par un tuyau et donc la grille du transistor va être représentée par une valve. Donc, la grille va simplement servir à actionner ou euh, et ajuster le contrôle euh, sur le canal, sur le tuyau d'eau, et euh, ce contrôle-là va être, pouvoir être ajusté de façon électrique. Donc, bien souvent, lorsqu'on utilise le transistor en interrupteur, on va ouvrir la valve à 100% et lorsqu'on va la refermer, ça va être complètement. Donc, on utilise le transistor dans les deux modes, soit 0 ou 100%. Pour ce qui est de l'amplificateur, ça va être plutôt un ajustement qui va se faire entre 0 et 100%. Et cet ajustement-là va se faire à la valve ou à la grille du transistor pour laisser passer un certain courant. Donc, cette variation-là va être déterminée par le circuit lui-même, le transistor, mais même les composants qui sont autour. Donc, on va tout au long de la, de la série de capsules, on va étudier comment les composants auto affectent euh, le gain, par exemple, de notre, de notre amplificateur et ou euh, les autres montages qu'on va mettre à la suite de notre transistor. Bien évidemment, le contrôle du transistor en on et off, soit 0 et 100 c'est le contrôle le plus simple à faire avec un transistor. C'est pour ça que durant la série, on va plutôt se concentrer sur la partie amplification. Et lorsque vous aurez bien compris la partie amplification, vous allez bien comprendre pourquoi le transistor fonctionne si euh, bêtement avec 0 et 100 Maintenant qu'on sait qu'on veut utiliser le transistor en amplification, on va se créer un symbole plus généraliste qui va représenter le transistor afin qu'on détermine premièrement c'est quoi les caractéristiques de base d'un amplificateur. Donc on va représenter par exemple le transistor avec une boîte comme vous voyez présentement, tout simplement une entrée et une sortie. Donc, l'entrée, ça va être un petit signal, donc un signal sinusoidal par exemple, qu'on va vouloir entrer. Et à la sortie, ça va être euh, le, le signal qui va avoir été amplifié. Et euh, tout dépendant des caractéristiques de l'amplificateur, le signal va garder plus ou moins les mêmes caractéristiques que le signal initial. Donc, à première vue, lorsqu'on parle d'un amplificateur, on va parler de gain. Et c'est un, un des aspects les plus intéressants lorsqu'on va parler de transistor. Le transistor est un type d'amplificateur, donc il va nous fournir un certain gain. Et ce gain-là va nous permettre de multiplier euh, le signal à l'entrée avec le signal à la sortie. Donc, si par exemple, on a un signal à l'entrée avec une tension crête à crête de 1 volt, si on a un, un, un système qui est euh, amplificateur de 5, par exemple, avec un gain de 5, on va avoir à la sortie un, le même signal qu'à l'entrée, sauf que ce signal-là va avoir été amplifié par 5. Donc, on va avoir un signal de 5 volts crête à crête. Ensuite, une autre caractéristique très importante, c'est les impédances d'entrée et de sortie, ou même euh, on peut pouvoir parler de résistance d'entrée et résistance de sortie. Commençons par l'impédance de sortie. Donc l'impédance de sortie, c'est celle qui est vue à la sortie, bien évidemment, de l'amplificateur, et elle va être très très importante puisque c'est celle-là qui va déterminer euh, la puissance qui va être transmise à l'étage suivant. Donc l'étage suivant, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une autre série d'amplificateurs, ou ça peut être une charge, comme par exemple un haut-parleur. Donc dans le cas du haut-parleur, on sait que les haut-parleurs, c'est souvent des, des très, très basses impédances. Donc par exemple 8 ohms pour un haut-parleur. Et euh, on sait très bien que pour avoir un transfert maximal de puissance, il faut que l'impédance de la charge soit égale à l'impédance de la source. Donc dans le cas de notre amplificateur, si on veut maximiser la puissance euh, à notre haut-parleur, on devrait avoir une impédance de sortie de notre amplificateur de 8 ohms aussi. Si par exemple l'impédance de sortie de notre amplificateur est très très élevée, le problème c'est que la tension au bornes de notre haut-parleur va être très très faible puisque l'impédance de sortie de notre amplificateur fait un diviseur de tension avec l'impédance de notre haut-parleur, soit la charge. Donc dans ce cas-ci, la, la tension aux bornes de notre haut-parleur sera très très faible comme on peut le voir dans cet exemple-ci, euh, si on souhaite par exemple augmenter l'impédance de sortie de notre amplificateur, il y aurait très peu de tension aux bornes de notre haut-parleur puisque l'impédance de sortie de notre amplificateur fait un diviseur de tension avec le haut-parleur soit la charge. Donc lorsqu'on fait un diviseur de tension avec ces deux impédances là, on se rend compte que la fluctuation de tension est rendue très très faible euh, aux bornes de la charge si les impédances sont euh, pas les mêmes. Donc l'intérêt dans ce cas-ci, ça va être vraiment de baisser le plus possible l'impédance de sortie de notre euh, amplificateur. C'est pourquoi lorsqu'on utilise des amplificateurs opérationnels, c'est une des caractéristiques très intéressantes d'avoir une impédance de sortie la plus faible possible. Donc comme on a vu dans l'exemple, l'impédance de sortie très très faible c'est un avantage, mais il faut savoir que cette impédance-là ne sera pas toujours désirée être faible. Donc parfois on va vouloir avoir des impédances de sortie très très élevées et c'est le cas dans quelques capsules où je vais vous présenter certains montages qu'on va analyser. Ou ce que ça va être plutôt l'inverse, on va vouloir par exemple augmenter l'impédance de sortie pour certaines raisons. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que l'impédance de sortie doit être toujours très faible. Donc, ça va dépendre de différents montages, ça va dépendre de la topologie qu'on va utiliser de notre montage à transistor et même ça va dépendre de la charge qu'elle contrôle puisque c'est bien elle qui va dépendre aussi pour euh, transférer le maximum de puissance euh, de l'amplificateur à la charge. Donc, vous aurez compris que si l'impédance de sortie est très importante, l'impédance d'entrée est très importante aussi. Pour la simple et bonne raison que c'est le même principe à l'entrée, on va obtenir un diviseur de tension avec l'impédance d'entrée de notre amplificateur et la résistance ou l'impédance de notre source. Prenons l'exemple d'un petit microphone qui a une tension crête à crête de quelques millivolts seulement. Si par exemple notre amplificateur a une impédance d'entrée très très faible, donc le petit signal qui est déjà très très petit et très peu puissant va déjà être atténué de façon très drastique puisque l'impédance d'entrée crée un diviseur de tension encore une fois. Donc l'impédance d'entrée de notre système, on la veut la plus grande possible bien souvent pour minimiser l'effet du signal d'entrée, donc pour euh, ne pas atténuer en fait le signal à l'entrée. C'est pourquoi on va retrouver la plupart du temps dans euh, les amplificateurs opérationnels une impédance d'entrée très très élevée. Pour pouvoir capter un signal de très faible amplitude et ne pas l'affecter tout simplement en le connectant, et même une impédance de sortie très très faible pour pouvoir fournir un gros courant à la charge qu'on va vouloir connecter à la sortie de notre amplificateur opérationnel. Donc, maintenant qu'on a regardé les caractéristiques de base, soit le gain et les impédances d'entrée-sortie de notre amplificateur, on va essayer de se rapprocher de plus en plus du transistor lui-même. Donc, reprenons notre amplificateur avec notre boîte. Et si on suppose que l'entrée, c'est plutôt seulement une entrée qui va nous donner une certaine tension à l'entrée. Donc, appelons-la V1. Donc, cette tension, étant donné que c'est un amplificateur, va être multipliée par un gain. Appelons-le K, par exemple. Donc, cette tension va être multipliée et va créer un courant proportionnel à la tension d'entrée. Donc, ce courant-là va être K fois V. Donc, ça va être le courant qui va être proportionnel à la tension d'entrée. Si maintenant, à la sortie de notre amplificateur, on connecte une certaine charge, soit une résistance de valeur R, la tension aux bornes de R, soit notre charge, va être euh, le courant qui circule à travers cette résistance fois euh, la résistance elle-même. Ça va nous donner le potentiel à la sortie. Maintenant, si on met l'explication en équation, on se rend compte que la tension de sortie est égale à euh, la constante K, soit la constante de gain, fois euh, la tension d'entrée, fois la résistance de sortie. Donc, et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on met la tension de sortie sur la tension d'entrée, qui correspond à être le gain en tension pour un système quelconque, donc pour déterminer le gain euh, en tension, simplement on met la tension de sortie d'un signal euh, sur euh, sa tension d'entrée du même système et on va obtenir le gain en tension. Donc c'est une comparaison tout simplement entre la sortie et l'entrée. Donc si on fait la même chose avec notre équation on se rend tout simplement compte que le gain de, en tension de notre amplificateur va être un multiplicatif euh. K fois une résistance, soit la résistance de sortie au négatif. Donc, pourquoi au négatif? Parce que la tension d'entrée va générer une tension inverse à la sortie et c'est le montage le plus commun des transistors qu'on va voir dans les prochaines capsules. Le gain K, tout simplement, ça va être un gain qu'on va voir dans les prochaines capsules aussi, mais il faut s'entendre pour dire que ce gain-là, c'est un une valeur caractéristique au transistor et même qu'on va être capable de contrôler cette variable là lorsqu'on fait le montage d'un circuit amplificateur. Un dernier aspect très intéressant lorsqu'on remarque l'équation, c'est que la résistance de sortie a un impact sur le gain en tension de notre amplificateur à transistor. Et ça ça va être très important puisque lorsque je vous parlais d'impédance de sortie tout à l'heure, la résistance RL ou la résistance de charge, correspond tout simplement à être, elle aussi, faire partie de l'impédance de sortie du montage. Donc, plus l'impédance de sortie va être très grande, donc plus ARL va être grand, plus on va obtenir un gros gain en tension. Et si, par exemple, on a une sortie très très faible, une impédance très très faible, pardon, par exemple, une charge avec un, un haut-parleur de 8 ohms, vous comprendrez que le gain va être vraiment très faible. Par rapport à une charge qui aurait une impédance beaucoup plus élevée. Donc déjà, c'est un des aspects qui est très intéressant à remarquer avec l'équation de gain en tension pour un amplificateur transistor type. Et on va regarder de plus en plus en détail dans les prochaines capsules comment on peut jouer avec ces paramètres-là et comment on peut monter un circuit à transistor pour obtenir les performances souhaitées. Donc, pour récapituler toute l'information que j'ai offert dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu euh, les impédances d'entrée et de sortie, que c'était très intéressant et très important surtout euh, de contrôler ces impédances-là, puisque ça va avoir un impact majeur sur euh, nos signaux, soit d'entrée et de sortie. On a aussi parlé de gain et euh, on a vu tout, tout récemment que le gain en tension est dépendant de euh, différentes choses, soit euh, par exemple les caractéristiques de notre transistor et de la circuiterie qu'on va mettre autour du transistor, et aussi de l'impédance de sortie. On a vu tout simplement l'amplificateur comme une boîte, donc avec une entrée et une sortie, mais dans la prochaine capsule, donc la semaine prochaine, on va voir les topologies typiques de montage à transistor, et on va déterminer pour chaque topologie l'impédance d'entrée et de sortie de ce montage-là, et aussi le gain offert par le montage. Donc, bien entendu, certains montages vont être priorisés à d'autres dans les prochaines capsules. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est souvent les mêmes montages qu'on retrouve un peu partout euh, dans le domaine de l'électronique. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur J'aime si vous avez aimé la vidéo, de laisser des commentaires et des idées si vous avez des idées euh, pour les prochaines capsules. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi pour rester à l'affût euh, des prochaines capsules qui vont sortir dans les semaines à venir. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.